Hello, hello. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce parcours Flamme Jumelle que je vois comme un chemin de contribution à l'autre à partir de soi. Petit disclaimer, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas dit, mais évidemment, tout ce que je partage sur cette chaîne, c'est ma vérité. Nous avons tous et toutes des vérités différentes. Donc, c'est OK de ne pas être d'accord avec ce que je dis. C'est OK qu'il y ait des choses qui ne résonnent pas. Tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste et on repart bons amis. Ça peut très bien marcher comme ça, le monde. Alors déjà, ce qu'on entend le plus souvent sur le parcours Flamme Jumelle, c'est ce besoin de revenir à soi. J'aimerais te donner ma définition du revenir à soi et parfois aussi les risques. En fait, il y a quelques nuances que j'aimerais amener sur cette notion-là. Pour moi, le revenir à soi, c'est vraiment avoir la capacité d'être à l'écoute de comment je fonctionne, à l'écoute de mon fonctionnement naturel en fait, de ce que j'ai envie, de qui je suis, de mes rythmes, de tout ce qui fait que qui je suis, et d'être à l'écoute de ça. Donc, la nuance que j'aimerais amener par rapport à ce revenir à soi, c'est que revenir à soi, ce n'est pas être dans l'immobilisme. C'est être immobile dans le sens où je peux rentrer à l'intérieur de moi, au cœur de moi pour justement me rencontrer, me découvrir, me connaître et être à l'écoute de comment je fonctionne. Le comment je fonctionne, il est dans l'action, il est dans le mouvement. De toute façon, la vie, c'est le mouvement. Donc le comment je fonctionne, il y a aussi toute l'histoire de rythme, ça me demande d'être dans ce mouvement. Donc souvent, ce que je vois en tout cas, j'ai pas envie de le nommer forcément erreur, mais peut-être un passage qui dure un peu trop longtemps et qui n'a pas vraiment de raison d'être à mon sens, c'est le revenir à soi dans l'isolement, le revenir à soi dans le je dois être seul pour être avec moi. Pour moi, c'est pas ça. Revenir à moi, c'est m'observer, me rencontrer dans tout ce que je vis dans mon quotidien et apprendre de qui je suis, c'est-à-dire me regarder aussi avec curiosité, comment je fonctionne dans ces moments-là, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, est-ce que là je suis vraiment moi, est-ce que là je réponds à un conditionnement, est-ce que ça je le fais pour faire plaisir, et avoir ce questionnement par rapport à ça. Si je suis seule avec moi-même tout le temps, je n'ai pas l'opportunité de me regarder, de me rencontrer, de me découvrir dans le mouvement, dans l'action et dans mon interaction avec les autres. Donc le revenir à soi, pour moi, c'est pas vivre dans une grotte. Sauf si ton objectif de vie, c'est ça. C'est vivre seul dans une grotte et peut-être vivre l'illumination dans ces conditions-là. Et c'est OK, c'est un objectif de vie. Voilà. C'est vraiment de séparer le revenir à soi et l'isolement. Ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est vraiment deux choses complètement séparées. Je n'ai pas besoin d'être isolée. Je n'ai pas besoin d'être seule. Pour revenir à moi, je peux avoir besoin de moments de solitude pour être dans mon énergie et voir comment j'agis dans la solitude et comment j'agis face au vide et face à la solitude. Mais ce n'est pas nécessaire sur des très longues périodes parce que ça ne me permet pas d'apprendre à me reconnaître, d'apprendre à me découvrir dans la vie, dans mon quotidien et dans comment je fonctionne. Donc dans mes élans et dans mon fonctionnement naturel. Et puis, le vrai test, la vraie initiation du revenir à soi et de savoir qui je suis et comment je fonctionne, elle se fait dans la relation à l'autre. Et c'est pour ça que je parle de relation à l'autre ou de contribution à l'autre comme moyen de revenir à soi et pas comme étant l'après. Donc, je le disais juste avant, c'est que revenir à soi, c'est savoir qui je suis, savoir ce que je veux. Et ça, bah, je le sais dans l'interaction, dans le monde. Je le sais aussi par rapport à comment je fonctionne et qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui ne me convient pas. Et donc, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que le vrai test, la vraie initiation de ce que moi j'entends dans ce parcours Flamme Jumelle et dans cette activation du code Flamme Jumelle, c'est comment je me comporte avec l'autre. Je veux dire, en tout cas, comme je vois les choses, c'est que toute l'initiation du parcours Flamme Jumelle, c'est qui je suis en relation à l'autre. C'est pas qui je suis toute seule, isolée dans une grotte. Donc, je peux avoir passé 2 ans à être seule et avoir vraiment choisi un isolement ou une solitude parce que c'est ce dont j'avais besoin,
Mais la vraie initiation, elle va se passer au moment où je me remets dans le monde, où je me remets en relation à l'autre. J'aime beaucoup, c'est Aruna Lipschitz qui en parle, je crois que c'est dans son livre L'un n'empêche pas l'autre, où elle raconte en fait qu'après des années d'avoir été en fait dans la solitude d'un monastère, je crois en Inde, je ne suis pas 100% sûre de sa bio, il faudrait revérifier. Elle se rend compte que un repas de famille et paf, tout ce qu'elle croyait avoir acquis comme sagesse, tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même, ça volait en éclats en 2 secondes 2, parce que la vraie initiation, elle est dans la relation. D'ailleurs, on est dans un millénaire de la relation, on passe dans l'ère du Verseau qui est l'ère de la relation également. Donc la vraie initiation du parcours flamme jumelle, elle est pour moi dans la relation. Ce qui fait que le revenir à soi, pour moi, c'est un moyen qu'on a de mieux vivre nos relations, mais ce n'est en aucun cas l'objectif final du parcours flamme jumelle. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de parler de cette capacité que ce chemin, en fait, flamme jumelle, ce parcours flamme jumelle, nous amène à être dans la contribution à l'autre, la relation à l'autre, à partir de qui on est vraiment, bien sûr, et pas en s'adaptant ou en se suradaptant ou en étant dans des conditionnements qui ne nous ressemblent pas. Et j'ai envie de parler de contribution à l'autre, donc c'est d'aller une étape encore plus loin que la relation à l'autre, parce que qui je suis en relation, voilà, c'est une partie, c'est quelque chose que j'ai besoin de regarder et de comprendre comment je fonctionne dans ces moments-là, mais qui je suis qui a envie de contribuer à l'autre, je trouve que c'est une étape supplémentaire qui me permet de ne pas forcément être moi, qui me sort en fait quand même d'un... J'ai pas envie de dire égoïsme parce que c'est pas le bon mot, mais qui me sort d'une manière auto-centrée de voir le monde et d'avoir vraiment profondément envie de participer au collectif. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très fort pour moi et je le vois avec mes clientes à chaque fois qu'on va creuser quels sont leurs besoins, quels sont ce qui les touche vraiment. La semaine dernière, j'ai fait un appel sur le groupe Vision Claire où on va voir qu'est-ce qui t'inspire profondément. Donc, j'ai tout un processus par lequel je te fais passer pour savoir qu'est-ce qui t'inspire profondément. Et les personnes qui travaillent avec moi, elles ont vraiment cet appel à mettre en lumière et à mettre à voir le beau dans le lien, en fait, le lien à l'autre, dans l'entraide, dans la solidarité, dans le fait de s'aider les uns les autres, les humains en fait, entre eux. Elles ont aussi vraiment beaucoup cette notion de communauté, de faire partie d'une communauté, de se sentir appartenir à une communauté. Donc tout ça, c'est vraiment des fondations qui nous parlent de contribution à l'autre, en fait, qui nous parlent de qu'est-ce que je suis venue apporter dans le monde et qu'est-ce que j'ai envie de créer, en fait, pour notre communauté, pour ma communauté, donc petite, grande, l'humanité, tu la mets à la taille que tu veux, ta communauté, mais qu'est-ce que j'ai envie d'apporter. Et pour moi, ça, c'est vraiment un chemin de guérison phénoménal, de passer par, d'abord, qui je suis en relation à l'autre, et qu'est-ce que je veux apporter, en fait. Parce qu'en fin de compte, même juste sur une relation, sur un couple, est-ce que je suis dans mon couple pour prendre ce que l'autre me donne, ou est-ce que je suis dans mon couple pour lui donner le meilleur de qui je peux être et de ce que je peux être, que l'autre, en fait, puisse recevoir, en fait. Est-ce que j'ai envie de donner ou est-ce que j'ai envie de prendre ? C'est ça la question aussi. Et pour moi, dans le couple, dans la relation, dans les connexions qu'on a, et justement dans ce parcours flamme jumelle, je pense que c'est d'autant plus important, c'est vraiment cette capacité à changer la manière qu'on a d'être en relation ensemble. En acceptant les différences, en acceptant que nos comportements créent parfois des blessures et activent des blessures chez l'autre, en acceptant que l'énergie qu'on envoie dans une communication a une place importante et que donc je suis responsable aussi de ce que je crée dans la communication à l'autre, et l'autre n'est pas juste seul responsable de ce qu'il ressent quand moi j'envoie de la merde, par exemple. Et donc c'est vraiment pour moi tout ce jeu-là de co-création, et comment est-ce qu'on est responsable de ces co-créations ensemble, et comment est-ce qu'on a envie d'être dans la contribution à partir de là. Pour moi, ça, c'est un chemin de guérison phénoménal, parce que
je grandis en contribuant et en changeant vraiment la manière que j'ai d'être en relation à l'autre. Donc c'est vraiment, pour moi, je crois, quelque chose de très important à prendre en compte dans le parcours flamme jumelle, c'est ces étapes en fait par lesquelles on passe. Et oui, bien sûr, si t'es au tout départ du parcours, je crois qu'il y a vraiment un appel à venir te rencontrer, à venir comprendre qui tu es et à te positionner aussi dans ta vie par rapport à ça. Mais très très rapidement, je pense que c'est important de sortir de cette vision auto-centrée de qui je suis et comment je vis les choses. Et surtout, s'il y a beaucoup de charge mentale, s'il y a beaucoup d'émotionnel aussi, par rapport à ça, à partir du moment... En fait, la charge mentale qu'on a au début du parcours flamme jumelle et même la charge émotionnelle qu'on a, tant qu'on est dans une vision auto-centrée de nous sur ce parcours, eh ben on regarde que ça. On regarde que la charge mentale et on regarde que la charge émotionnelle. Ce qui fait qu'on l'amplifie, en fait. Si je suis tout le temps en train de regarder comment je souffre, si je suis tout le temps en train de regarder, d'écouter, de mettre l'attention sur les pensées qui font que je suis tout le temps en train de penser à ma relation flamme jumelle, je ne suis pas en train de m'aider, je ne suis pas en train de changer pleinement qui je suis. Alors que si à un moment donné, je change le projecteur de mon attention, de mon énergie, et que je regarde comment je peux agir dans le monde, comment je peux contribuer, comment je peux être en relation avec l'autre, là, je commence un vrai travail de guérison parce que je change en fait énergétiquement. Énergétiquement, je suis pas juste en train de regarder tout ce problème, toutes ces pensées qui posent problème dans ma charge mentale et parfois émotionnelle, mais je commence à changer de le projecteur de ma conscience. Je suis pas juste en train de me regarder moi et de me regarder mon nombril et à quel point je souffre et à quel point ça ne va pas. Et c'est vraiment là où je trouve que, à partir du moment où on apprend à faire ce changement de focus, de ce qui ne va pas, à comment est-ce que moi je prends ma place dans le monde, comment est-ce que je contribue dans le monde, c'est quoi ma place dans le monde en fait, à partir du moment où on est sur ce chemin-là, la guérison, la puissance, on reprend le pouvoir sur sa vie et sur sa relation avec la muse jumelle et ça change absolument. Et c'est encore quelque chose que j'expérimente chaque jour, chaque semaine, chaque mois dans ma relation flamme jumelle. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se fait une fois et c'est terminé. Chaque fois que je reprends vraiment ma place et que c'est pas drivé par « j'ai peur que si je fais ça, ça a tel ou tel impact sur ma relation », en vrai, je suis encore plus dans ma puissance et ça nous aide toutes les deux. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu te sens appelé par ce chemin de contribution, que les valeurs de connexion à l'autre, de solidarité, d'entraide, tout ça à partir de toi, parce que moi je travaille avec des personnes qui veulent... Vraiment, on va chercher le « à partir de toi », qu'est-ce que ça veut dire, et que le chemin de rendre ça visible, donc de vraiment te révéler dans ta communication à partir de toi pour contribuer, c'est un chemin qui t'intéresse. Je te laisse prendre un rendez-vous avec moi, c'est un premier rendez-vous qui est gratuit et on regarde ensemble ce chemin pour toi. Et si on est un bon match énergétique, on pourra travailler ensemble. Donc premier rendez-vous offert, je te laisse cliquer sur le lien et je te dis à très bientôt. Salut !